ワンピースアンリミテッドワールドレッド。 Bonjour à toutes et à toutes, c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve sur One Piece Unlimited World Red pour l'épisode 6 déjà. Dans l'épisode 5, si je me souviens bien, on avait battu Barbe Blanche avec deux persos en plus. C'était assez fou quand même. Enfin, ça faisait aussi surtout la troisième tentative que je faisais. Mode histoire. Jouer au mode histoire, oui. En espérant vraiment que cet épisode-là ne va pas avoir des surprises pareilles que le précédent. Donc là, c'est ma première tentative, hein. J'ai pas fait de tentative avant. Donc on est à Transville et il fallait que je fasse plein de trucs, si je me souviens bien. Déjà, on va aller au point d'exclamation tout là-haut. Si c'est par là. Ok, donc là, je suis où? Et je vais aller au point d'exclamation, voilà, qui est par là-bas. Où c'est que c'est? C'est par là. C'est ici. Ouais, ok, qu'est-ce qui manque? La musique. Construction d'une boîte de nuit. Ok. Et puis un autre à faire construire pour l'instant, non, donc on va retourner à l'auberge. Ok. C'est vachement pratique, hein, comme le fait qu'il soit élastique. C'est où déjà? Ah, c'est là. On va entrer. Développer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Pharmacie. Allez, on fait la pharmacie. Ouais, ok, ça a été créé. Je peux faire l'extension de la pharmacie, restaurant. On va le faire aussi. Ah, du coup, il y a l'amélioration également, l'atelier. Allez, on fait l'atelier. L'atelier, le bazar, je peux pas. Le jardin non plus. Le musée non plus. Librairie non plus. Boîte de nuit non. Bon, on va améliorer tout ça. Ok, alors je sais même pas ce que ça donne en vrai la pharmacie. J'ai juste quitté pour voir à quoi ça ressemble. Alors, ok, laisse tomber, ça change pas grand chose, c'est pas grave, donc on va continuer. Le restaurant, je peux pas. Ah, je peux plus en améliorer. Ok, bon. Coffre. J'ai quoi dans mon coffre? Ouais, enfin. Ah, du coup, il faudrait que j'aille dans l'atelier maintenant. Ma tenue. Oh là là. Ouais, bon. Alors, maintenant, l'atelier, où est-ce qu'il est? Ça doit sûrement être le marteau. Info. Non. Bon, on va essayer d'aller voir par là-bas, si c'est bon. Ouais. J'ai envie de faire l'atelier. Ah, oh, bah, il y a un coffre. Voilà. Je veux soigner ta stupidité. Un œuf. Également. Donc c'est là. Hein. Ouais, c'est bien l'atelier ici. Alors, fonctionner. Ah, c'est bien ça. Canne à pêche niveau 2. Confectionner. Filet. Oh oui.
Masse de magma. Je sais pas ce que c'est. Ok, bon, en tout cas, au moins c'est niveau 2. Bien. Donc, je pense que pour l'instant c'est bon. Hein. J'ai tout construit, enfin le maximum que je pouvais du coup. J'ai amélioré ma canne à pêche, mon filet, tant mieux. Après, pharmacie peut-être. Où est-ce qu'elle peut être la pharmacie? Sur la carte. Merde, comment. Voilà. Bon, on va essayer sans pharmacie, c'est pas grave. Bon, on va prendre Nami. Orbin, voilà. Et Brooke. En espérant que cette fois-ci ça marche. Oh, génial. Être un ami. Les cerises du docteur, allons vers la montagne. Contre Nami, climat, ok, triangle. De toute façon, je crois que j'ai déjà contrôlé Nami. Je sais comment elle fonctionne. Ah, voyons voir la map. Oh putain. On a des trucs à visiter, moi je vous le dis. Non, à part de la neige, il n'y a rien. Non, ça se casse pas. Alors par là, on va aller de ce côté. Petit bout de bois. Il est temps d'essayer le filet niveau 2. Allez. Voilà, alors qu'est-ce que ça fait? Oh putain. Oh putain. Wouhou. Aucun bonus, j'en étais sûr. Et j'ai gagné. Ok, bon, la même chose que dans un flanc docteur. Mon cœur tremble. Ok. C'est génial tout ça. De toute façon, les One Piece, il n'y a pas de secret. Il faut absolument tout visiter dans la map. Sinon, bah, vous passez à côté de certains trucs. Oh génial. Ah d'accord, à la... Ah d'accord, ok, je comprenais pas quand il y avait qui vole. Bon voilà, la caméra vue de haut, c'est pas très bien. 8 berries. Eh, hey, 100 berries. Alors, prends ça. Et je. Et puis personne, c'est génial. On passe par là. Un coffre ici. Alors, la téléportation de Robin, ça c'est magistral. Bon. Sucre de fleurs. Alors on va essayer de faire une petite série. Si j'y arrive. Parce que c'est vrai que finalement c'est pas évident de faire des combats sur ce jeu. Surtout que les persos sont assez lents en fait au final.
étant donné que nos alliés se téléportent d'une façon assez extraordinaire, c'est pas évident non plus. Gros bout de bois, ok. Ah bah, dommage, il fallait que j'aie Usopp, c'est pas grave. Je passe par là. Attendez, là. Non, ça fait rien du tout. Donc maintenant, je peux remonter. Y a absolument rien ici. Ah, non, on saute. Ouais, elle saute, voilà. Oh, bah, punaise. Donc, elle peut voler uniquement quand ils sont à terre, en fait, les ennemis. Bon bah lui, voilà, c'est fait un berry, voilà. Et mince, il y a un berry qui est parti, c'est pas grave. D'accord, pour aller par là. Alors, là il y a quoi? De l'herbe. De l'herbe mystérieuse. Ça me fera toujours rire ce truc là. Allez, c'est parti. Là, le vrai combat a commencé. J'arrive pas à faire le carré-carré triangle. Je sais pas, le truc le plus simple, j'arrive pas à le faire. Je dis pas que l'esquive de Nami, c'est de voler quand même. J'arrive pas à faire le carré carré triangle. Bon, alors attendez. Carré, carré, triangle, ouais. Oh. Hop. Trop loin. Donc du coup, je suis passé niveau 2, c'est ça. Oh là là, j'arrive pas non plus à faire des enchaînements en l'air. Tiens, il t'a dit le Nami, c'est quoi déjà? J'aime bien faire son truc spécial en fait. Ah ouais, voilà, c'est R1 et rond. Si je me... Non, carré. Epic fail, j'ai envie de vous dire. Voilà, franchement, c'est... C'est assez compliqué de se remettre dans ce jeu, enfin, finalement. Ok, bien. Non, on peut pas y aller. Par là, on peut pas non plus. Alors... Là y'a quoi? Y'a rien. Eau de fonte. Ok. Bon, on va essayer de visiter le maximum possible. De toute façon, je suis obligé de passer à côté de certaines choses puisque sur certains niveaux il faut les euros, je l'avais pas, et là il faut Usopp et je l'ai pas. Allez, casse. Casse-moi. Voilà. Non, ça on peut pas casser. Par contre, je crois que ce jeu il m'énerve un peu par contre. Hein. Tant qu'il y a des ennemis, on peut pas taper en deux directions que ça, c'est chiant. Voilà. Oh là là, mais hé.
Oh là là, punaise, mais... Ça me saoule un peu quand même. Putain, mais tape-moi ce bonhomme de neige. Mais tape-le. Mais c'est pas possible. Oh bah je pourris en plus. Putain, ça m'énerve. Allez, on se barre. Le combat dans des ennemis comme ça, là, tout seul, c'est limite plus intéressant que nos alliés les bas que nous, en fait. Parce que j'avais pas ressenti ça dans les épisodes précédents, mais la maniabilité est assez compliquée hein, quand on arrête le jeu un petit bout de temps. Et t'y remettre comme ça, c'est waouh. C'est vrai que ça vaut pas un One Piece Super Warrior 2 quand même. Ah là il y a un fruit dans l'arbre. Eh, vise-moi l'arbre, voilà. Un fruit rouge. Bon bah je pense que j'ai à peu près tout visité. Attendez, il y a une zone de pêche. De l'autre côté, par là, on va aller voir ce que ça donne la pêche maintenant. Ah bah il y a un crapaud. Ah merde, ah bah c'est un ennemi. Ah c'est pour ça, parce que moi je voulais attraper le crapaud, mais bah, je peux pas, parce que je suis en bois. Par contre, le fait que les ennemis restent statiques pendant les attaques, ça aussi c'est... En fait, le manque de déplacement, c'est ça le problème de ce jeu, c'est le manque de déplacement. Ils sont trop lourds les déplacements dans ce jeu. Oh punaise, mais il y en a combien? Moi tout ce que je veux c'est attraper le crapaud qui est là-bas. Comment on fait? Oh merde, je me suis gouré. Putain, hey, au moins 5 secondes quand même hein, pour faire attaque spéciale. Surtout qu'en plus moi je me suis trompé. C'est génial. Et j'ai perdu de la vie en plus. Alors, voilà. Mince. Voilà, c'est bon. Taille plus 15 cm, mais c'est bien. Oh les gueules. 1m36 le crapaud. Ouais, enfin bon, il y a quand même des trucs, faut pas exagérer non plus. Hein. Y a rien. Il est de retour, je m'en fous. On va aller pêcher. Je viens de voir à quoi ressemble cette canne à pêche. Ok, donc elle est plus longue. Oh génial, le QTE. Ah oh, punaise, en fait moi je les prends pas à super, bon laisse tomber. C'est chiant leur système de pêche. Je préférais largement celui de One Piece Unlimited Cruise. Ce apparu sur la Wii. Le système était quand même beaucoup moins con. Alors bien sûr je dis pas que j'aime pas ce jeu, c'est que... Après avoir fait une petite pause, c'est difficile de s'y remettre. Ah bah tiens, il y a une fleur. Allez, moi je m'en fous du climat, c'est un pack que moi je veux. Voilà, faire toute ma vie. Et bah DPS aussi pendant que, bah voilà, c'est fini. J'ai visité, ouais, toute la zone presque. Et je pense que oui, hein. Ok. Oh putain. Enfin, en même temps, normal, j'ai envie de vous dire. Puisqu'on est dans la zone enneigée, je sais plus même plus où c'est. Toi, qui déjà? Je suis le grand Paul, souverain de Brum. Il y a avec moi quelque chose vraiment.
Watashi wa chanto oboete mashita yo. J'ai jamais rencontré. Je n'ai aucune objection à envoyer les sales types de ton genre en enfer. Ouais, tes paroles, blablabla. Ok. Parfait. Ouais, c'est pas le boss de fin puisqu'il y a une zone après. Bien, bon. Elle a aussi des esquives, ça c'est bien quand même. Par contre, il est où, Apool là? Il est là-bas. Oh merde. Je sais pas, il m'a l'air d'être chiant, Apool, par contre là. Oh, eh, par contre, il tape fort. Hein. Je vais prendre. Robin. Comme a fait des attaques à distance. Bah, ça, du coup, je connais. Enfin, même ça, je peux pas esquiver. Bon, laisse tomber. Alors. Hop. Oh là là, mais on peut pas esquiver, c'est chiant. Je vais reprendre Nami. Non, je prends Brook indirectement. C'est le moins con de tous quand même. Bah, disons qu'il est rapide en fait. C'est ça le truc. Ouais, bon, laisse tomber. Ah oui, son esquive de mortel là. C'est le cas de le dire. J'esquive, j'appuie sur le bouton. Oh là 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 là. Il est chiant, ma folle. Après, c'est peut-être la technique de jeu, faut bien se concentrer. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, la tête spéciale qui sert à rien, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oh putain, la tête de merde. Je l'avais oublié celle-là. Oh putain, mais en plein dedans, je vous jure. Oh là là là. Ouais, j'ai une esquive dedans quand même. Attendez, je suis niveau combien? Juste pour éviter de perdre de la vie, je suis bientôt niveau 2. Je vais prendre Nami. Comme ça, il va retrouver toute sa vie, l'autre, j'espère. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là encore? J'ai plus chaque bouton. Oh, par contre, ouais, c'est effectivement bien. Et je suis presque niveau 3, donc ça va me permettre de récupérer toute la vie des persos. Occupez-vous de Waffle si vous y arrivez. C'est pas trop compliqué. Putain, mais dedans quoi, l'esquive va dedans. Oh, j'en suis à où là? Allez, là faut monter de niveau. Allez, je veux monter mon niveau, moi, je veux monter mon niveau. Qui a moins de... Voilà, on prend Robin. Franchement, c'est chiant à faire les esquives dans ce jeu.
C'est pas compliqué, je veux monter mon niveau maintenant. Attendez, je veux passer niveau 3. Est-ce qu'il y a un truc compliqué dans cette phrase? J'arrive même pas à esquiver. C'est réellement une galère ce truc. Je veux être niveau 3. Tant que j'ai pas assez de vie, je vais pas. Eh putain. Oh je vous jure. Oh c'est pas possible. Non mais. Oh vas-y. Bien, donc je sais pas où j'en étais dans la première tentative, donc bon bah du coup je refais. Je suis niveau 3. Robin plus que dalle de vie, hein, 129 PV. Et voilà, donc ça aurait été quand même plus cool si je passais niveau 3 un peu avant. Ah merde, les esquives c'est toujours la même chose. Alors je crois que j'ai trouvé la technique en fait, le trou qui bouge, voilà c'est lui. Il faut lui laquer la gueule. Voilà. Même si c'est pas très rapidos comme technique, c'est ce qu'il y a de mieux. Les trous sont où? De toute façon c'est toujours le dernier, il est lui. Merde. Allez. Oh putain. Je faisais le mauvais coup en plus, c'est chier. Merci. En plus il est tout seul, il n'y a plus d'ennemis avec lui. Je vais prendre Brooke pour le coup maintenant. Oh putain. Oh mais vas-y. Ok. Ouais bon après un technique qui est amélioré, on peut dire. Voilà, je vais attendre. C'est où? C'est là. C'est vraiment compliqué son truc à lui là. Un texte spécial. Bon non, je vais y garder, il est presque terminé. Voilà. Pouh. Ah bah dis donc. Allez, abandonne la bla. Ouvrir Joe, tu cours pas si vite, laisse le filet. Oh bordel. Oh que c'était chiant. Ah, j'ai plus rien de vie. Ça va, je suis presque niveau 4 dans pas énormément de temps. Ah, j'ai la zone pour venir en arrière, normalement à côté, mais bon. Je vais pas la prendre. Normalement, elle est par là-bas où il y a l'œuf. Ouais, zone précédente, bon, ça sert à rien, étant donné que il y a plus de boss. À l'horizon normalement. Le problème, un boss de merde qui est dans n'importe quel One Piece là est vraiment compliqué à gérer en fait. Parce que les esquives laissent à désirer. Bon, de toute façon, il n'y a rien par là-bas. Oh putain! Oh merde! Oh la vache. Oh allez la pinou. Ouais, j'ai peut-être parlé trop vite moi.
Ah putain, non, 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 non. C'est un attaque de merde. Je vais pas la faire. Allez, vas-y, allez, allez, allez. Allez, oh putain. Ah, c'est vachement chiant ça. Je vais faire attaque spéciale, je peux même pas la faire. C'est par où qu'on se barre. Vas-y, je reprends la batte, tant pis. Bien, donc, après avoir retourné en ville, on est de retour face au Lapinou. Et bon, ça va être plus chiant que prévu. Ça va, étant donné qu'ils sont assez lents, ça passe encore. Évidemment, je pense qu'ils n'ont rien à voler, de toute façon. Ouais. Voilà. Donc en tout, ouais, il y en a 4 là-bas. Ah merde, il y en a un derrière moi, donc ils sont 6. Ok. Donc niveau 4, c'est bien ça. Je pense que ce jeu, la maniabilité est dure, c'est vrai. Mais tu le gameplay aussi quand même. Hein. Bon, je te les laisse continuer, Brooke. Tu prends ça. Je sais qu'il y en a un autre, voilà. Il est là. Bon, à 3 contre 1, ça va. Une abeille. Mince. Oh, il y a des polyglyphes, j'ai l'impression. Ok. Hop là. Objet plus 1. Oh, mais il y a que ça, c'est pas possible, des frelons docteurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah on va prendre Robin, je l'ai Robin. T'es sûr que c'était des... Ah, je peux pas déchiffrer? Oh non. Oh, je suis pas assez élevé, c'est ça? Bon, bah tant pis, on va aller de l'autre côté par contre, on va passer en haut. Oh punaise. Ouais non. J'ai vraiment pas envie de prendre Robin. Mais je préfère prendre quelqu'un qui attaque bien en fait, hein, et pas à distance. Avec une précision un peu normale. En fait, le problème dans ce jeu, c'est que quand on commence un enchaînement, leur faire une attaque en l'air, on peut pas quoi. Non, j'ai pas changé parce que l'attaque spéciale de Brooke est tellement piteuse que je préfère pas le prendre. Et voir Robin, donc non, avec les lapinous, je préfère l'éviter. Voilà. Il y a là c'est quoi en fait? Ici bizarre, je sais pas ce qui se passe. Il y a un trou en fait sur la map. Bon, il y a trop de monde, bon c'est pas grave. Ah bah j'en étais sûr, voilà pourquoi. Allez allez allez, voilà. C'est comme dans Card Warrior 2. Un grand problème, les grands moyens. Mais disons que les moyens plus efficaces dans ce jeu sont bien. Ah
joueurs ils ont des berries quoi, 9 et 7 berries. Allez, voilà. Ah mince, je n'ai fait qu'un bon. J'aurais peut-être dû essayer de faire les trois, je vais prendre un peu Brook, mince. Niveau 5, bah c'est cool. J'avais même pas vu pas. Ah bah voilà. Je me disais aussi je l'ai pas vu passer le niveau. Par contre l'attaque spéciale de Brook c'est la moins utile du jeu j'ai l'impression. Ah, par contre ça c'est des bons enchaînements ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh non. Ok, bien. Je connaissais pas cette attaque là, moi, franchement, perso. Donc on va aller par là. Oh putain, c'est pas possible. Il n'y a pas un coffre. Je prends le fruit rouge, on n'a pas un autre. Si. Moi je me barre, hein, c'est bon. Là les lapinous, j'en ai un peu marre, là, je vous avoue. Là si je monte tout en haut après. Ouais non, ah là il y a un coffre. Pourquoi il prend pas? Voilà. Oh merde. Bien, bon bah c'est un piège. Non, on peut pas casser ça, hein. C'est... Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est des loups, bon ça j'ai compris, mais... Qu'est-ce que font des loups dans One Piece, en fait? Des lapins, ok, mais enfin des loups... À part dans le jeu, là, je m'en ai jamais vu, en fait. Hein. Bien, on va passer par ici, y voir ce qu'il y a. Oh putain, mais... Bah, franchement, si vous connaissez l'existence de loups dans One Piece, bah, précisez-le moi, ce serait bien sympa, parce que... Franchement, c'est bien la première fois que je vois des loups, moi. Bon, c'est pas un piège cette fois-ci. Ok, alors par contre là par exemple vous voyez il faut chopper. Ok, moi je pensais qu'il fallait une pioche mais non il faut chopper. Donc c'est par là qu'il faut aller. Putain mais c'est comme les lapins bon. Ah, regarde les loups ça va. Mais les lapins disons trop c'est trop quoi. Par là il y a un passage. On va esquiver 2 secondes. Un loup bugué c'est tant mieux. Bijoux d'or. Des bijoux en or, on s'en fout. J'ai pas vraiment eu le temps de voir. Oh putain. Je pense c'est pas sur Brook qu'ils iraient bouffer quelque chose, hein, les loups. Bon,
mettre un peu de fleurs. On espère qu'il n'y ait pas de loup. Ok, bien. Voilà. On va continuer tranquille notre chemin. Oh putain. Ok. Élimine les féroces lapins. Oh. Pourquoi pas les loups finalement? Ok. Mais par contre, on descend par où déjà? Par là. Les lapins sont où? Bon bah je pense que c'est cela. Hein. Par contre pour attaque spéciale je vais prendre Nami. Ok donc j'ai déjà une barre. Oh, je vais me le faire celui-là pour disparaître. Ah non ils sont là en fait, j'étais trop loin, c'est ça. Hein. Allez. Voilà le coffre. Donc, comment c'était bien celui-là que t'allais tuer. C'est une preuve d'amour. Par contre, on remonte par là. Je vous avoue que là, je back un peu parce que ça fait long à force en fait. C'est pour ça donc j'essaie un petit peu d'aller le plus vite possible. Non, c'est par là. En avant. Oh là 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 là. Champignon. Ok. Attendez, voilà, un petit groupe et attaque spéciale. Ouais, j'ai l'impression quand même que les loups sont moins féroces que les lapins. Allez. Voilà. Fibre. Oh là là. Ah, le fait de gérer les lapins et les loups en même temps. Allez. Oh, mais regardez, on voit même l'ombre du groupe là-bas, là. Allez, voilà. Oh, évidemment, j'ai touché personne, ça c'est génial quand ça arrive, ça. Allez, faut les finir là maintenant. Il en reste plus que deux. Oh, ouais. Allez, mais creuse le loup là. C'était le dernier en plus. Allez. Je sais pas qu'il va durer une heure l'épisode. Ah, enfin.
Mais il va durer une heure l'épisode, c'est pas possible. Je suis à combien de niveaux? Oh, presque niveau 6, c'est bien. J'ai récupéré ma vie. Zone suivante. Excellent. Ok. Bon, ça sent à la fin. J'espère bien. Ok, blabla. Oh putain. Je penserai généreusement. Oh. Excellent. Oh putain, faut que je me tape Barbe Noire. Ok, ok, ok. Espèce de machin. On peut dire de façon juste de te montrer pourquoi. Oh, bon, bref. Alors bien, donc ça fait au moins la sixième fois que je tente ce boss. Et à chaque fois je perdais à arriver à la barre jaune de sa vie. Donc du coup ce que j'ai fait, bah j'en ai marre, donc j'ai mis en mode facile. Voilà. Donc après on va voir ce que ça donne. Donc j'aurais effectivement dû passer à la pharmacie avant de commencer ce mode de jeu. Je vais juste prendre d'abord Brook en premier. Voilà. Parce que bon, évidemment maintenant le début je le connais. Voilà, il faut se mettre sur les cailloux, donc j'espère qu'en facile ça sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, c'est franchement extrêmement dur. Quand on n'est pas au courant de ce qui va se passer dans le niveau, c'est juste impossible. Là ça fait 6 fois que je le mets dans le jaune, mais rien, je perds tout le temps. Ça va. Ah, j'esquive ça, et voilà. Donc déjà, je peux voir que la barre descend beaucoup plus vite. Mais sinon, c'est juste non possible. La semaine épisode durerait 1h30. Et puis, ce serait vraiment pas intéressant. Tellement que c'est compliqué, je parle même pas en fait. Je suis concentré au maximum. Alors que là, quand je vois que la barre, bon, faut quand même que je me concentre un peu. Mais là, j'arrête avec Brook à ce niveau-là, c'est déjà de l'exploit. Ça se voit qu'en facile, la barre de vie descend réellement beaucoup plus vite. Mais bon, franchement, il arrive un moment où j'ai réellement pas le choix de faire ça. Parce que sinon, j'ai passé 4 ans à faire cet épisode. Par exemple, normalement, à ce stade-là, Brook serait déjà mort sans la difficulté facile. Par contre, l'attaque spéciale de Brook ne sert réellement à rien. Mets-toi vite sur un caillou, voilà. Tu crois Chile à côté. Ah, putain, vite trouve un caillou. Ah, évidemment, il n'y a plus de cailloux. Bon, ça enlève un peu moins que en normal. Là, j'ai fait une bêtise. En fait, c'est comme Barbe Blanche, faut se mettre derrière. Par contre, Barbe Blanche, je n'avais pas touché à la difficulté. Ah ouais, alors là, réellement avec Brook. Parce que Brook, je le prends toujours en premier. Je n'ai jamais réussi à atteindre ce niveau-là avec Brook. Mais il y a un moment où réellement ça n'est pas possible. Tellement il est compliqué. 6 fois. Là, c'est la 6ème tentative. Hein. Là, je vous ai coupé toutes les scènes parce que. It's no possible, mais. C'est un truc de dingue. Ce jeu-là, en mode normal, quand on n'est pas averti.
réellement il faut passer dans tout, en plus surtout que je fais des vidéos donc ça, donc je peux pas non plus prendre une heure et demie pour faire un épisode. C'est pour ça que pour ceux qui ne l'enregistrent pas, oh merde, non évidemment. Ouhou. Là je vous avoue que je suis bien parti. Il faut au moins que j'atteigne la barre jaune avec Brook. Alors là effectivement c'est pas facile, ça reste un boss comme les autres dans ce jeu. Mais en normal il est compliqué. Donc là contrairement à Barbe Blanche, j'avais plusieurs fois abandonné. Je voulais pas faire un facile. Mais là étant donné que j'avais pris les mêmes joueurs pour Barbe Blanche avant, je prends Robin. Du coup bah je me suis dit non allez laisse tomber, je vais pas non plus abandonner encore une fois. Donc je m'en facile et puis tant pis. Génial. Donc là normalement avec Robin, en temps normal je serai à la, au début de la barre verte. Mince. Voilà, le maximum que j'étais c'est ça. La barre actuelle qu'il a, c'est ici où je suis arrivé au maximum. En normal. Plusieurs fois même. Et franchement, c'est un peu chiant qu'on perd à ce niveau-là. Ok, lui. Ok, on prend. Lui. Voilà. Oh là là. Allez, lève-toi. Oh là là. Bon, il est presque rétamé. Oh putain, je peux pas esquiver. Alors quand même, ça fait du bien de l'avoir terminé. Allez, encore un petit peu. Vas-y, attends, je me le termine. Ouais, une attaque spéciale, voilà. Non, même pas. Eh, c'est quoi ce délire? Oh, voilà. Ah, j'avoue que même en facile, ça fait du bien de l'avoir fini. Hein. Putain. Oh, l'horreur. Désolé, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Scambi, il a pris sa décision. Oui. On a déjà un raton laveur. C'était moi. Tu as tout fait pour me convaincre de suivre. Si tu désires réellement être de nôtre, tu finiras par changer d'avis. Tu le désires réellement. Pourquoi tu t'appelles Pato? Bien, ok. Ah. Ah ouais, allez, voilà, on passe tout ça. Oh là là, l'horreur. Oh, les boss de dingue. Obligé de les faire en mode facile. Ah, épisode 5 terminé, bah ouais, heureusement. Qu'est-ce que ça va être l'épisode 6 à faire? Enfin, là, c'était l'épisode 6 tourné, mais l'épisode 6 du jeu... Ouais, je crois que la pharmacie, c'est quelque chose de très important à faire, mais on verra ça
La prochaine fois, parce que là, j'en peux réellement plus. Pour moi, l'épisode aurait eu besoin de 1h30 d'enregistrement quand même. Hein. Maintenant que j'y pense, ouais. On passe notre temps à lui courir après, mais là... Un fruit du démon. Oh, où ce fruit peut bien se cacher, ok. Chose continue, ok, bien. Allez, on sauvegarde. Voilà. Continuer, oui. Okay, vite fait, ok, c'est bien. Donc voilà, donc je vais pas attarder plus longtemps. Donc j'espère que cet épisode de 6 de One Piece Unlimited Lord Red vous aura plu. Pour moi, c'était vachement dur à faire, mais content d'avoir terminé. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.